Bienvenue dans Chasseur de monstres avec Maccabée qui est en pleine analyse. Ah là, ça travaille dur apparemment. Alors Maccabée, oh, tu m'entends ou pas? Ah bonjour. Ah oui. Attends, je t'entends pas là. Laisse-moi, je vais retirer ça. Ouais, c'est pas à cause du masque que tu m'entends pas. Hein. Il est pas sur tes oreilles le masque. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Ah là, je t'entends mieux, oui. Ah là 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 là. Ah bonjour. Voilà donc, écoute, présente-toi alors. Ah bonjour. Présente-toi alors. Ah oui, je m'appelle Babacar. Ouais. Et tu viens d'où? Là, je viens du Sénégal. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que même au Sénégal, il y a des scientifiques. Et donc là, tu es le nouveau scientifique de l'aventure, hein, parce que le Maccabée belge, déjà, premièrement, déjà, je fais ce que je veux, c'est mon émission, donc je l'ai viré. Et troisièmement, alors sinon, ça va, toi? Ah oui, je vais très bien, oui. Mmh. Voilà, donc, alors qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement, là? Parce que je vois que t'as une arme de guerre, on peut l'identifier comme une arme de guerre? Est-ce qu'on peut l'identifier comme une arme de guerre? Est-ce qu'on peut l'identifier comme une arme de guerre? Est-ce qu'on peut l'identifier comme une arme de guerre? Alors là, présentement, oui, on peut identifier ça, présentement, comme une arme de guerre. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut identifier ça comme une arme de guerre ou pas? Concrètement. Voilà, donc là apparemment t'es vachement occupé. Donc je vois qu'en tant que... Ah la merde là. Ouais, ça fonctionne pas. C'est sûr qu'il n'y avait pas l'essence. Hein. Ah si, il y a l'essence. Hein. Donc là tu ramènes tout ça, là, tout ton ustensile du tout droit du Sénégal, hein, c'est ça? Ah oui, oui. Et là, est-ce que du coup tu as capturé quelque chose au niveau de tes notes? Parce que t'as un microscope aussi, puisque t'es scientifique. Hein. Oui. Voilà. D'ailleurs, en tant qu'Africain, c'est étrange, mais t'as une peau blanche. Oui, présentement, là, c'est parce que quand j'ai vu le lion, là, j'ai couru. Et je suis devenu tout blanc. D'accord. Donc, en fait, t'es un noir pâle, quoi. On appelle ça chez nous les albinos. Mais ça, c'est un nom scientifique. D'accord. Ah oui, albinos, c'est scientifique, ouais. Du coup, ouais, on peut pas comprendre. Alors du coup, c'est quoi là? Qu'est-ce que t'es en train de... C'est quoi cette merde là? Par exemple, t'as posé de la merde. Pas trop approcher parce que là, il y a quand même des choses qui sont pas très bien. Ouais, d'accord. Alors, excuse-moi, pardon. Je vais pas la caméra dans la gueule, mais... Okay, du coup, alors c'est quoi là ce que t'es en train de faire concrètement? Je vois que t'as des rollers aussi. Tu vas faire quoi avec ça? Alors ça, là, c'est justement pour rouler. Ah oui, d'accord. Okay, voilà. Bon, tout de suite, c'est plus clair. C'est pour éviter de porter, tu mets dessus là. Ouais, ah oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? C'est quoi ça? Alors, ça, il y a plusieurs modèles. Ouais. Je suis en train d'ausculter là le champignon. Ah oui, d'accord. Celui-là même qui a été mangé. Ouais. Oui. D'accord. Et donc, c'est normal que tu sois devenu blanc après avoir été pourchassé par un lion, c'est ça? Ah bien sûr, oui, j'ai eu très peur. Très peur, je suis devenu tout blanc. Bon. Est-ce que tu es prêt à aller chasser le chupacabra? C'est contacté là présentement pour aller chasser le chupacabra. Non, le chupacabra. Oui, chupacabra. C'est bien ça. Non, c'est pas ça. Toi, tu dis que le chupa, je sais pas quoi, c'est le chupacabra. Voilà, bon. C'est parti pour la chasse au chupacabra. Dès que Maccabée a terminé ses analyses scientifiques. Bienvenue. Salut à tous. Bonjour. Bonsoir du moins. À peine commencé, tu m'énerves. Enfin bref. Enfin, faut pas que ça commence comme ça parce que sinon je vais t'emplâtrer directement. Attends. Excusez-moi. Ok, bienvenue dans cet épisode de Chasseur de monstres. Aujourd'hui, je vais droit au but parce que maintenant j'ai décidé de toute façon, j'en ai plus rien à branler. On va chasser un chupacabra.
Voilà. Je vous présente le nouveau Maccabé. L'ancien Maccabé venait de Belgique. Hein. Vous savez que j'ai préféré changer. Premièrement, comme je vous le disais précédemment, parce que je fais ce que je veux. Et troisièmement. Et du coup, je te laisse te présenter. Tu viens de d'où déjà je me rappelle plus. Je viens du Sénégal. Voilà, du Congo. Et alors, présente-toi. Voilà, je m'appelle Babacar. Voilà. J'ai fait les fins de troisième, j'ai eu le brevet, je suis scientifique. Tout à fait, des scientifiques. Ouais. Et merci pour cette présentation, comme ça, ça permet vraiment de mieux te connaître. Et là, tout de suite, maintenant, on te connaît bien. C'est parti hein, pour chasser le... Le chakra-prigara. Le chakra-prigara. 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 T'es con ou quoi où tu fais exprès? Je t'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le chupacabra. Chakapagra. Le chou. Écoute, répète après moi. Chupacabra. Chakapagra. 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 Ça va être dur. Ça va vraiment être très, très dur. C'est le chupacabra, tête de con, t'entends? Le chupacabra. C'est quoi ça? Ah tiens, t'as vu? Comme à Brocéliande, c'est drôle ça. Hein, alors qu'on n'est même pas à Brocéliande. Alors ça, c'est la preuve même du chakapagra. Du quoi? Du chakapagra. Ouais, ok. Ça va vraiment être compliqué. Donc il y a quelqu'un qui est venu marquer son territoire ici. Alors Maccabé, pendant qu'on est en chemin, explique un peu ce que c'est ton artillerie là actuellement, parce que notre audience se demande. Ça là même, c'est un souffleur. Pourquoi tu prends un souffleur pour chasser? Souffler le chakapagra. D'accord. Tu veux faire quoi exactement, concrètement? Je vais le souffler. Ah oui, d'accord. En fait, tu veux le faire partir. Non, je vais le souffler, j'ai dit. Ah oui. Je vais le souffler là, comme ça là, vu. Ouais, d'accord. Bon on va essayer de le souffler alors. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chupacabra est un extraterrestre en fait, qui a des gros yeux, une arête dorsale et une queue. Il fait des cris stridents et il a une sonde qui sort de sa bouche et qui. Et qui aspire le sang. De ses victimes, des êtres humains et des animaux, voilà. Chupacabra, ça veut dire suceur de chèvre. Voilà. Et donc, ce n'est pas le chukulukus ou je sais pas quoi, c'est le chupacabra. Manifestement, c'est compliqué pour monsieur de parler le français. Je sens que je vais encore regretter d'avoir chopé ce type de Maccabé là. Ah, décidément. Je parle bien français, mais... Allez. Ouais, tu parles français comme une vache africaine. Ah, là, on a comme un bruit là. Une sorte de bruit de cliquet mélangé à un bruit de sauterelle. Et ça c'est une preuve indéniable que le chupacabra existe. Hein, ce genre de son là. C'est dommage, hein, je vais pas filmer au même moment. Parce que j'étais en train de recharger les batteries de mon téléphone. Attends, reste pas devant les grands. Reste pas devant moi. Reste pas devant le réalisateur. Pousse-toi de mon chemin. Tu restes pas devant les gens. Reste pas devant moi. Ça c'est. Tu vas où là comme ça? Oh là 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 là. Te casse pas la gueule, hein, parce que là, si tu roules avec toute ton artillerie, tu tombes en bas, t'exploses, mon gars. Regarde. Mais si t'exploses, je te jure, je me barre. Hein. Regarde. Il est hors de question que je me... Il y a des traces, là. Ah non, mais je veux pas monter, là. Je... Voilà, il y a des traces. Tu vas te péter la gueule, je te l'avais dit, hein. Tu vas exploser. Non, il y a des traces de partout. De chakapagra. Arrête de dire chakalapalaka, tu comprends, tu sais, c'est quoi, ça? C'est du parler en langue protestante ou quoi?
Chakalakapaka. Chakalakapaka. Chakraprak. Putain, je me demande comment t'étais avant d'être con. C'est chakraprakrak. Oh là 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 là. Il y a la trace là. Ouais, c'est une trace de quoi alors? De pâte de chakraprakrak. Et comment tu sais que c'est une pâte de chupakalakala? Parce qu'on voit bien là. Ouais. Ah oui, oui, bah du coup, soudainement là, effectivement, on comprend mieux. Et ça sent bien. Ouais, fais sentir. Ah ouais, ouais, ouais. Ça sent le chakraprakra, chaleur. Ouais, c'est vrai que ça sent le chupacabra. Ouais, là, non, là, franchement, ouais, là, pour le coup, bien vu. Ah, franchement, t'as un nez de... Il y a la trace, là. Un nez de lynx, hein. Mais on dirait l'a descendu, là-bas. Ouais. Ou alors il est parti là-bas. Alors est-ce qu'on peut essayer de s'enfoncer dans la forêt là? Là-dedans, hein, c'est compliqué. Hein. Ah. Reste pas derrière moi quand tu marches, on sait jamais. Non, pas devant moi non plus. Non, ni sur le côté. Bon. Ne te mets pas sur le côté, ni à droite, ni devant moi. Non, ni derrière, avance. Où tu veux, je me mets là. Bah, ah, mais putain, mais avance. Putain, ça sert à rien de t'énerver, hein. Ça sert à... Parce que moi aussi, je peux gueuler à ce moment-là. Alors là, je me mets à gueuler, tu te mets à gueuler, alors tout le monde gueule. C'est ça que tu veux. D'accord. Ouais, bah voilà, non, mais ça se marche pas comme ça avec moi. D'accord, chef. C'est une météorite. Ah, bah ça, c'est faut le garder pour une pièce à conviction. C'est pour ton microscope. Hein? Comme t'as un microscope de merde, et ben tu vas pouvoir l'étudier celui-là. Hein. Ouais, ça sent quoi l'espace, non? Non. Ça sent quoi? Ça sent la météorite. Ouais, mais du coup, comme il vient de l'espace, ça sent. Ça doit bien avoir une odeur d'espace, non? C'est de Mars. La planète Lune. La planète Lune. Lune? Ça n'existe pas, la planète Lune. Comment t'es con? Ouais, c'est... Hey, si. La planète Lune. Non, la planète Lune, ça n'existe pas. La planète Mars, ça existe. La planète, par exemple, la planète Terre, ça existe. Non, la planète Lune. Regardez-le. Il se barre. Il t'écoute pas, le gars. Il est dans son délire. Il t'écoute pas. Et là, si je veux, je le laisse se barrer comme ça. Et... Hey, t'es tout seul, hein. Allez, viens. Allez, viens. Viens, on se casse. Ça y est. Il tape là, il va faire du feu. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Allez, viens. Non, mais il est parti là-bas. Allez, viens. Non, mais il est parti là-bas. Il est parti là-bas. On va pas marcher 110 000 ans ici, quoi. Écoute. Je t'ai dit, il est là-bas. Bon bah viens, on y va alors. Tu vois, je te l'avais dit qu'il était là-bas. Toi, tu veux pas me croire. Depuis tout à l'heure, ça fait 2 heures que je te dis qu'il est là-bas. C'est un meuble, c'est quoi? On dirait une sorte de truc. Tu trouves pas, toi? On dirait les toilettes des jardins. Ouais, c'est ça, on dirait un truc. Oui. Je suis pas sûr que ce soit le moment de excuse-moi de te déranger dans ton moment de folie. Je suis pas sûr que ce soit le moment de chanter. C'est Youssoundour. C'est grand chanteur sénégalais. Youssoundour. Et tu crois vraiment que avec ça, c'est avec ton chant de merde que tu vas attraper le chupacabra? Non, c'est pour me donner la confiance. T'as pas besoin de te donner la confiance avec tes chants tout pourris. Mais à partir du moment où t'es avec moi, c'est bon, quoi. Tu peux avoir une pleine confiance. Parce que tu sais qu'au moins, avec moi, on va faire un reportage crédible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, de toute façon, je suis obligé de monter en compétence, tu comprends, là. Là, je suis à un stade, maintenant, où je te signale que moi, je chasse des loups-garous, des zombies, des vampires, des trucs comme ça, tu vois.
veux dire, le Dahu, c'est moi qui l'ai chassé, hein. Hé, le Couillosaurus, c'est moi qui l'ai chassé. Oui, j'ai bien lu ton profil, là, avant d'accepter d'abord, hein. Ouais, ouais, bah voilà, donc, un peu de... Ah, j'ai fait quand même troisième science, hein. Oui, bah ok, bah alors un peu de respect, parce que je te signale que si... Hey, moi, j'ai des tatouages, ok. Donc tu vas commencer par me respecter. Bon, pourquoi je m'énerve? Je me rappelle même plus pourquoi je m'énerve. Bon, bref, allez, on y va. Voilà, ça doit être là. Oula. Pourquoi tu fais cette... Pourquoi tu fais ça? On va passer par là. Ouais, on va passer par là. Voilà. On va s'enfoncer dans les marécages. Sans se casser la gueule. Waouh, c'est génial. Il faut faire attention, là, il y a plein de gadous. Alors, je vais montrer ça à votre porte. Ah ouais, il y a plein de moustiques ici. Des... On peut aller par où là? Le chemin là-bas, je pense que là-bas là c'est mieux. Il faut passer là-bas là. Ouais. On va monter. Ok. Bon, bah, là, on monte alors parce que c'est infesté de moustiques. Ici. Ah, c'est ça même, les excursions scientifiques, hein. Ouais, bah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, c'est comme ça. Au Sénégal, là, on a des moustiques, là, ils te piquent les mirages, hein. Ça m'étonnerait que tu sois du Sénégal avec une... Alors que t'as une gueule blanche, hein. C'est parce que je t'ai dit déjà, j'ai eu peur du lion. Je suis parti courir. J'ai l'impression que tu te fous de la gueule du monde, mais bon. Bon, là, ça fait à peu près 15 jours qu'on marche. Je vous avoue que c'est du sport. Voilà, donc j'essaie de prendre sur moi parce que déjà, comme il y a une tendance à m'énerver dès qu'il parle, enfin, même la présence en soi m'énerve. Excuse-moi, j'ai tombé. Ouais, t'as tombé. Ouais. Bien fait pour ta gueule, mon gars. Et ça, c'est bon Dieu qui l'a puni. Voilà. Il me fait chier, hop là, le bon Dieu qui le punit. Et tu vois, c'est instantané. Voilà, donc on a essayé de rentrer dans la forêt, mais c'est infesté de moustiques. Et du coup, parce que le problème, c'est que les moustiques, ça pique. Et ça, voilà, c'est pour ça que Chasseurs de Monstres, c'est aussi une émission culturelle où on apprend des choses. C'est Ghost Booster. On va par là? Là. Bon. Là, on a trouvé. On va rentrer par là, si on peut, du moins. Oh. Il faut ouvrir. Tiens, ouvre là. C'est compliqué quand même. Non, on peut pas rentrer. Bon, alors là, en fait, on est vraiment emmerdé. On ne peut pas passer par là non plus. Je voulais vraiment intégrer la forêt parce qu'il y a un grillage, en fait. Et vous voyez bien, le grillage est vraiment super balèze. C'est impossible d'entrer, c'est vrai. Oh, tu l'as entendu? T'as entendu? Il y a la chute-bas là. Oh là là. Tu l'as entendu là? Eh, hey, reviens. Oh, je te pars pas en courant. Là, il faut aller. Je te pars pas en courant. J'ai entendu, là, il faut ouais. Te parler là. Moi aussi, je l'ai entendu, mais te barre pas tout seul. Avance, s'il te plaît. Bah, vas-y, mets en route ta machine et... on va le souffler le chupacabra, on va le souffler. Je sais pas trop ce que ça veut dire souffler le chupacabra, mais on va le souffler quand même. Après ça, il est pas loin là-bas, attends. Oh putain, t'as entendu? Oui. Il faut la taper là-bas. C'est un truc de ouf ça.
Les crevettes, ça, c'est 100 francs CFA. Non, parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que... C'est 300 francs CFA. Pourquoi tu parles? Le riz, c'est 1 franc CFA. Les poissons, là, c'est 666 francs CFA. C'est pour faire les poissons frits. Les œufs, là, c'est 290 francs CFA. Ouais. Les crabes, c'est 300 000 francs CFA. Ouais. Le macaron, ça ne coûte rien du tout, c'est zéro. Les gilets jaunes, c'est moins 3. Moins 3 francs CFA. Et la démocratie épuisée. Je sais pas pourquoi il fait ça, je suis désolé, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est l'homme de lui, hein. Je comprends pas. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est l'un des pires, lui. On va essayer de l'appeler, là, un petit peu. Moi, je pense qu'il est parti là-bas derrière. On peut le trapper. Ouais, ouais, mais le problème, c'est que si tu le souffles, il va jamais venir, en fait. Parce que toi, tu le fais fuir. C'est ça, le problème aussi avec toi, avec tes histoires. On va essayer de le faire venir. On est gentil! On est gentil. Et arrête de faire. On est gentil parce que lui, avec ta voix et t'es comme ton, avec ta présence, il va croire qu'en fait on est gentil. Ça veut dire on est méchant. Dis rien. Non 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 non. Ne fais pas comme moi en tout cas. Ah. On est gentil. Chakra prakra. Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! Chakra-pakra! Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! Chakra-pakra! Ki-ki-ki-ki-ki-ki! On est gentil? Chakra-pakra! On est gentil! Bien mimi! Chakra-pakra! Eh, hey, arrête de te dire comme moi, tu es en train de le faire fuir là. Dès que tu parles, tu le fais fuir. Dès que tu parles, tu le fais fuir, mon gars, je te le dis. Croisant l'expérience de quelqu'un qu'on a. C'est moi-même qui ai soufflé. Hein. Ah, attends, attends, ça. Eh, hey, hey, eh, oh, tu réponds en plus, effronté. Tu sais que ça c'est un motif de licenciement, cette histoire. Tu réponds pas. Eh, hey, le professionnel, c'est quand même moi avant tout. Hein. Ok, c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. Ok? Excuse-moi, patron. Donc tu réponds pas. Je t'en mets tout de suite à ta place de binoclard. Je veux bien être gentil. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien être gentil. Mais qu'on prenne pour un con, ça, j'accepte pas. Qu'on manque de respect, ça, c'est pas un problème. Mais qu'on prenne pour un con, ça, j'accepte pas. Voilà, donc je sais ce que je fais, je sais ce qu'on va faire. Et si je te dis qu'il y a des mots qui dérangent, il y a des mots qui dérangent parce que le chupacabra, il est pas si con que ça. Et ça, on le voit très bien. Il vient pas depuis tout à l'heure. Et quoi, toi, t'es gentil, hein. Voilà, moi, je suis gentil. Tu vois bien, je suis gentil. Toi, t'es gentil, hein. Là, il y a des bruits un peu partout, tu vois. À mon avis, il doit être revenu. Tu vois, c'est grâce à moi, ça. À force de dire on est gentil, il est revenu. Hein? 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 Hein?
Bon. Allez, on y va. Allez, voilà. Fais ce que t'as trouvé. Eh, le Sénégal est blanc là. Y a rien. Allez, on repart. Y a rien. T'as rien trouvé. C'est rien ça. Je sais, c'est rien. J'ai déjà vu tout à l'heure. C'est rien. Allez, viens. Oh putain. Eh oh! T'écoutes ou quoi? T'es devenu sourd? Qu'est-ce qui se passe là? T'essayes que t'es dans ton monde, t'es retourné sur la planète Lune. Oh! Eh hey, Biloute! Allez mon Golito, mangue-toi! Eh oh! Oh eh! Hey, on va attendre longtemps ici comme ça? Tu ne fais rien là, y a rien, nothing. C'est de l'anglais, ça veut dire rien. Oh putain, c'est dingue d'être si con, putain. Bon allez, je me barre, hein. Je te laisse. Je te laisse parce que je sais que ça va se barrer en couille et que tu vas terminer mal. Je sais pas quoi faire, bordel. Je ne sais pas quoi faire, il est là. Il bouge plus, en fait. Je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu me conseilles, toi, qui me regarde? Et merde, je suis pas en live. Il est bloqué. Il cherche un truc. Déjà que les autres macabées d'avant n'avaient pas lumière à tous les étages, mais alors là... Alors lui, là, c'est la palme d'or. Très très haute voltige. Merde, je suis pas cabra par là. Bon, cela étant dit, on entend du bruit là-bas. Golito qui cherche. Allez, tu viens? On y va. Allez. Allez, Sultan, on y va. Allez, hop. Allez, Bobby. Allez, Bobby. Allez, viens. Hop. Allez, viens. On y va. Voilà. Prends ta machine là. Et puis, on va y aller. Voilà. Allez, on y va. Il veut pas venir. Hein. Il résiste, hein, l'effronté. Il est coincé. Eh, t'es coincé. Eh, ça fait un bon petit moment qu'on est là. Maintenant, tu vas pas. Là, tu vas creuser un trou, hein, à force. Bon, tu cherches de l'or ou quoi, tu vois. Ou un puits. Parce que tu creuses depuis tout à l'heure, tu cherches, mais tu vas rien trouver. Hein. Trouver un truc, ça met deux dans ta poche. Tu mets dans ta poche. Merde. Prends des trucs là, tu le mets dans ta poche, et puis on se barre comme ça. Voilà. Ouais, comme ça on se barre. Tu mets dans ta poche et après on se barre. Hein. Comme ça, voilà. Tiens, regarde là, tu vois, il y a un petit tas de merde là, vas-y. Prends le petit tas de merde. Là, ici, il y a un petit tas de merde. Mets-le dans ta poche, ce petit tas de merde, et après tu vas aller l'analyser dans ton laboratoire avec ton microscope. Voilà. Là, il y a un petit tas de merde. Mais tu vois pas le petit tas de merde? Eh? Eh, Sultan, il y a un petit tas de merde là. Bon, bah ça va être compliqué. Hein. Non, parce que là, au bout d'un moment, je vais devoir partir en fait et te laisser là. Hein. Moi je m'en branle là, genre. Moi j'ai pas d'état d'âme, je m'en fous, je suis un Terminator, j'ai aucune émotion. Mais c'est pour toi. Hein. Je sais que t'as une femme et à peu près une quinzaine d'enfants, donc c'est pour toi, hein, je te le dis. Hein. Donc bon, bah allez, écoute, je te laisse. Et puis. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de chercher, hein. Je trouve la piste, là. T'es ouf, mon gars. Eh, hey, tu cherches pendant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est là. Hey, 10 faut, ans. Tu peux chercher. Allez, viens, on se tire, maintenant. Eh, hey, t'as complètement buggé ou quoi? Eh, hey, on se tire, hein. On se casse, maintenant, c'est bon. Allez. Mais en plus, j'entendais des bruits, là.
très vraisemblablement un chupacabra. Non, non, là, t'abuses, mon gars. Attends, te mets pas derrière moi. Non plus. Non plus, non. On a fait ce qu'on avait à faire, on va essayer de faire le tour. On va voir si on peut le choper par derrière. Si on peut le prendre par derrière, ça serait pas mal. Ça ferait plaisir. Et puis voilà, ok. Ouais. Ah, moi je suis d'accord, hein. Ouais. Bon, allez, c'est parti. On reste calme. Je suis catholique, je suis miséricordieux, je vais pas te taper. Les gens croyaient que le chupacabra était juste aux États-Unis, tu vois. Mais non, il y en a ici du chupacabra, tu vois. C'est ça le truc. Ah là, je suis que pas cacla, oui. Il y en a pas tout. C'est pas le chupacabra, c'est le chupacabra. T'as pas réussi à le dire une seule fois correctement. Chupacabra. De toute la nuit, pas une fois. Non, chupacabra. Le chupacabra. Écoute, répète après moi. Repeat after me. Chupacabra, pracra. Voilà. On n'arrivera à rien avec lui, c'est sûr. Tu m'as entendu là? Le chakra, 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 chakra. Ça faisait d'où ça? Eh, je crois qu'il va falloir. Vas-y, eh, allume ton merdier. J'ai l'impression qu'il s'approche. Il s'approche. Il y a un bruit là. Il y a un bruit. Allume ta souffleuse. Allume ta souffleuse. Il y a un bruit. Il est là, il approche. Allume ta souffleuse. Il va attraper. J'attends. Dépêche-toi. Elle souffle. Vite. Attrape. Tu n'as pas soufflé que le chupacabra, t'as soufflé à peu près toute la planète là. Allez, viens, on se barre. Allez, on se casse. J'allais bien souffler, hein. Pourquoi tu cours dans tous les sens? Pourquoi tu viens ici sur la route comme ça là? Tout ce que j'allais tu. Courir après. Tout ce qu'on risque, c'est de se faire renverser par un bus. Allez, viens, on se barre. Il fallait courir après, hein. Non, t'es malade, toi, t'es vraiment malade. Bah, allez, on se tire. Je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. C'est comme ça qu'on chope les chukas, qu'après qu'à chaque la chkarve, Oui, ta gueule. Voilà. D'accord. Oh là là. Bon, les amis, désolé. Ce mec est complètement taré. Démerdez-vous avec ces images-là. J'en peux plus. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la vie c'est de la merde et qu'elle vaut pas le coup d'être vécue. Je comprends enfin ceux qui se suicident.